Ce papier venait d'arriver dans son nouvelle école. Mais il y avait plein d'enfants ciseaux et cela lui faisait peur. Ensuite, il a vu au loin des enfants papiers qui étaient comme lui. Alors, il a tout de suite essayé de se rapprocher d'eux. Mais les enfants papiers l'ont tout de suite rejeté. Ils sont allés jusqu'à lui cracher des boules de papier dessus. Et le gentil papier a été harcelé et racketté. Ils ont été très méchants. Mais heureusement, il y a un enfant ciseau qui est venu l'aider. Les méchants papiers se sont immédiatement enfuis quand ils ont vu ce ciseau arriver. Après cela, ciseaux et papiers sont devenus très amis et traînaient toujours ensemble. Et un jour, en rentrant chez eux, ils ont vu un enfant pierre se faire harceler par d'autres pierres. Avec courage, papier est immédiatement intervenu. Et les méchants enfants pierres ont fini par fuir. Car la pierre perd toujours face au papier dans le jeu pierre-papier-ciseaux. Le ciseau, lui, avait donc eu très peur d'eux. Mais il était étonné du courage de papier. Bien qu'ils soient différents, ces trois enfants sont complémentaires et ils sont devenus de très bons amis.